Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Salut, salut, bienvenue avec le Doc Snoopy. On est sur American Truck Simulator. Donc, voilà, j'ai décidé que j'allais faire ma petite carrière. Pour ceux que ça intéressait, ceux qui veulent me suivre, vous me suivrez. Donc, je suis pas obligé, je parlerai peut-être pas pendant la longueur des trajets et ainsi de suite. Mais voilà, quand j'aurai des petites choses à dire, je le dirai. Voilà. Donc, on va se prendre une petite livraison. Qu'est-ce qu'on a? Alors, là, ça fait des longs trajets. En offre de fret. Alors, attendez, je vais baisser le son de la musique, là. Parce que... on s'entend plus. Voilà, on s'entendra un peu mieux. J'ai baissé un peu le son de la musique. Donc, en fret, qu'est-ce qu'on fait? On est à page. Donc, on clique sur page pour savoir. On a une petite livraison là. Page pour aller à Prime. Donc, 408 miles, 10h36, ça nous rapporte 5 989 447 euros, et c'est du fragile, et en livraison standard. Sinon, on a celle-là qui est 1 million, qui est un peu plus loin. Bon, on va se prendre la petite livraison là. Hein? Allez, c'est parti. On est parti. Donc, mon camion, je vais vous le faire voir. Hein. C'est un camion qui a été fait par un modeur. Alors. Je trouve le camion génial. Bon, à part 2-3 petites choses. Voilà. Au niveau du bruit des clignotants. Voilà. C'est pas trop le top. Au niveau du bruit des clignotants. Et puis bon, faudrait qu'il rajoute 2-3 petits trucs. Qu'on puisse avoir 2-3 petites décos intérieures. Voilà. Sinon, bon, vous voyez, on a l'intérieur du camion qui est pas trop mal. Hein? En extérieur, voilà moi la couleur que je lui ai donnée. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Allez, on va aller chercher notre livraison. Devrait pas être trop loin. À mon avis, elle devrait être chez Weber là, mais you
Logiquement, elle devrait être là. On va voir. Donc c'est bien celle-là. C'est celle qui va à Prime. Allez. On va chercher notre livraison. Alors elle est où notre cargaison? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Allez, on est parti. Ça va être chaud pour passer. On va essayer de forcer un peu le passage. Bon, on nous laisse passer le monsieur. Bonne chance, on tape le feu rouge. Alors oui, on est en... En trafic réalitique, hein, donc trafic réel. Donc voilà. Je tenais à le dire. Donc il va y avoir beaucoup de trafic. Beaucoup de choses comme ça. Quelque chose que j'ai enlevé parce que moi ça me gonfle pour ceux qui ont pu déjà voir une vidéo de moi sur American Truck, ce sont les flics pour la bonne et simple raison que se faire arrêter toutes les deux secondes ou se prendre un radar toutes les deux secondes, bah bien 5 minutes. Et voilà quoi. Donc ça j'ai enlevé, mais ça m'empêche pas de respecter, bah voilà, autre chose, limitation de vitesse. Bon, je roule toujours à peu près 10 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Hein. Je roule à peu près toujours 10 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Et sinon, bah voilà, après le reste je respecte, hein, ce qui est stop, feu, voilà quoi. Ah merde, on tourne, vais tourner. Des fois je vais rouler peut-être un peu plus vite, mais voilà, c'est tout.
Là, faut que je fasse gaffe, c'est du verre que je transfère. J'ai pas encore fait ma pause. J'aurais dû la faire avant de partir. Enfin, je conseille ce camion. C'est un super, super camion. Franchement, il est tip top. Le moteur a super bien travaillé. Le bruit, tout y est. À part les clignotants, puis bah, deux, trois petites choses, trois petites décos intérieures. Peut-être avoir un châssis, des châssis plus longs aussi, si c'est possible, ça serait bien. On va accélérer un peu. Avoir des châssis un peu plus longs, ce serait pas plus mal. Ça, on pourrait mettre quelque chose derrière, vous savez, comme on fait sur le Scania, sur des... Ça lui donnerait encore une plus belle gueule, je trouve. Puis, ben, au niveau des barres devant, là, qui sont, ben, que vous voyez devant moi, là, de protection, avoir différentes barres de suggestions, mais voilà, quoi. Après le reste c'est du détail. Hormis ce petit bruit de clignotant, quoi, qui est, c'est pas, voilà, ça va pas avec le style du camion, mais bon. On va pas se plaindre, allez, j'ai un beau truck qui avance bien. Qui est joli de l'extérieur. Il y a vraiment un beau bruit de moteur. J'ai recommencé ma campagne, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de découvertes de route encore. Bon, je voudrais pas vous presser les gars là, mais j'ai que 8 heures pour livrer moi. En plus, il va falloir que je fasse une pause, je sais pas si je vais trouver un endroit, je vais dans la merde encore, je sens bien. Ah, il y a une station, on va voir si on peut se reposer. Est-ce qu'il y a un coin repos? Normalement oui. Normalement oui, mais où? Ah, il est derrière. D'accord. Ok. Donc j'ai fait une petite connerie. Donc on va...
Ah mais non, on peut avoir accès par là aussi, je crois. On va essayer de filer tout droit. Voilà, on va faire notre petite pause. Vite fait. Allez, on est reparti. À mon avis, ça va être chaud pour passer. On a eu de la chance là. On va trouver un créneau pour pouvoir passer là. Vraiment de la chance là. Bon, par contre, il n'y a pas beaucoup de portions pour doubler. Ce qui est un peu embêtant sur ces routes. Obligé de garder une distance de freinage quand même, hein, les gars. Hein. C'est bon. Merci mon pote. On va essayer de rattraper le retard un peu là parce que on doit pas être en avance. On va pas aller trop vite non plus, parce que je pourrais aller largement plus vite, mais ça sert à rien non plus. Allez, avance! J'avais pas eu le feu. J'avais pas vu le feu! Le garçon n'avait pas vu le feu! Oh, vous avez vu, il est nerveux comme camion. Vas-y, frime avec ta voiture cabriolet. Allez, avance, oh.
C'est vrai qu'avant ma livraison d'avant, j'ai pas enregistré. Donc je vais enregistrer, m'excuser, je vais enregistrer la marchandise tout de suite. Alors enregistrer, donc parce que sur ma dernière livraison, j'avais pas. Donc ça va être la livraison 5. Et on est le 05 05. Ah bah dans 4 jours c'est mon anniversaire. Donc si vous voulez m'envoyer des dons, hein, n'hésitez pas. Pour mon anniversaire, ça me ferait plaisir. Voilà, donc ça c'est bon. Si vous cherchez un forum, une communauté Xbox, hein, j'ai créé une communauté Xbox pour ceux qui auraient la Xbox One, donc voilà. Alors je sais pas, peut-être que je mettrai les jeux PC dessus aussi, mais bon, on a déjà une communauté Xbox PC en multigaming à faire tourner, et il faut que je trouve du monde dans le staff, donc oups, je me suis trompé, faut que je trouve du je resserre du staff pour ma communauté Xbox One. Donc après, bah, si on rallie le PC, il faudra du staff pour le PC, quoi, quel que soit le jeu. Mais pour l'instant, je ne veux pas tout mélanger, donc je ne veux pas aller trop vite. J'ai créé et lancé ma communauté Xbox One qu'elle marche, et puis après on verra. Mais pour ça je suis tout seul, donc c'est un peu dur et long, entre ça et les jeux PC, les vidéos et tout. Donc voilà, mais je ne perds pas espoir. Lui, il a déboîté juste devant moi et va m'emmerder. Je le sens. Alors, je sais qu'on ne double jamais par la droite, mais quand vous avez des enfoirés comme ça, un petit coup d'accélérateur. C'était juste question de m'éloigner de lui parce qu'il me gonflait là. Une photo,
Ah, je la prendrai à l'arrivée. Ouais, c'est un camion qui a... Je sais plus combien j'ai sous le capot. Je crois que c'est 600 ou 900 chevaux, je sais plus. Ah, il va super bien ce camion. Franchement, le moteur, il a super bien bossé. Il fait quoi lui? Un coup à gauche, un coup à droite. Il danse la samba sur l'autoroute. Fragile que le transport. Salut collègue. Écoutez, si vous voulez rester sur la gauche, c'est bien. C'est quoi l'ambulance là? Cogno! Et moi je mets des essuie-glaces. Ouais, mais je me suis trompé ou quoi moi? Oh là là, j'ai fait une connerie. J'ai oublié de tourner. Ah bah bravo! Ah bah bravo Tony, on a fait le con là, voilà, voilà. Va aller vite, t'as fait le con. Bon, va falloir faire demi-tour. Bon, je sais que ça se fait pas. Que ça se fait pas, hein. faut pas le faire, hein. Faites-le pas ça. Hein. Normalement ça équivaut à une amende. Hein. Bon. Enfin, c'est quand tu as la police.
Bon, à mon avis, je sais pas, je devais peut-être sortir par là, je pense. Non, pourtant non. Et je suis trompé de loin alors. Ah, c'est là que je devais sortir. Il y a la police à côté de moi. Bah, j'ai la police. Bah, je disais bonjour aux copains. Bah là copain, tu vas pas me faire rouler à 30, je te préviens, à 25. Il y avait une voiture à côté de moi, je sais pas où elle est. Voilà, je vais faire des vidéos de ma petite carrière. Oh, yeah. Oh là là. Oh non. Oh putain. Ah le con. Chier, voilà, en parlant. Putain, 25% de dégâts. Ah, moi qui voulais faire une livraison parfaite, ben voilà, je me suis fait avoir. Putain, je fais une connerie là, une connerie monumentale. Bah ouais. Alors vous voyez, ce qui est bien sur ce camion, c'est qu'en haut là, il a marqué visite service. C'est bien. C'est-à-dire que dès que bah, vous êtes vous avez un problème sur le camion, ça vous marque visite service sur le truc en haut. Il a, non, le moteur a super bien bossé. Bon là moi je suis un peu dégoûté sur le coup. Parce que
Ah, niquer le camion? Quand même. Tu as niqué la marchandise surtout. Marchandise fragile, 5% de dégâts, 27% sur le camion. Je suis vert de rage. Et j'arrive dans 2 heures. Oh, ça devrait le faire. Retenir le camion. C'est des canoers. C'est costaud. Eh oui, je roulais pas vite pourtant, hein. J'ai fait une connerie. Parler, je regardais pas et voilà. Aller coucher le camion maintenant quand même. Ralentir un peu, hein. Et voilà, comme quoi une connerie, hein. Une livraison en... Ah, celle d'avant, j'ai fait une livraison excellente. J'avais fait 20 heures de route, je crois. Et là, putain, sur une livraison à 8 heures, j'ai tout planté. S'il y avait un feu là. Ouais, le clignotant là, il est stressant. Il est stressant, le bruit clignotant sur ce camion. C'est la, une des choses qui est stressante sur ce camion, c'est ça. Sinon, il est superbe. Franchement, c'est vraiment un troc. Moi, je vous le conseille. C'est vraiment un super troc. Super Kenworth. J'ai pas vu s'il y avait de feu spécial pour tomber. Non, a priori, non. Merci copain.
sympa, m'a laissé passer. Ah, il s'est dit, le pauvre, il a déjà niqué le camion. Fargel, oula. Oui, je sais, oui, bah oui, oui, oui. Je sais qu'il va falloir que j'aille voir un réparateur. Dès que je peux faire réparer le camion parce que ouais, le moteur il fait un bruit là. Ça doit être à Valver que je dois livrer, à mon avis. XP juste pour le garer droit, ça me suffit. Ah, je suis dégoûté d'avoir niqué le camion et l'aéroport. Je suis un peu énervé. On va pas planter là, genre, je suis arrivé, pas le con. On va poser la remorque comme elle est. Satisfaisant, bah ouais, est-ce qu'il y a un tel à marchandise? Alors on va vite faire aller réparer le camion, hein. On a touché quand même 5 millions, bon j'ai 4, on va remettre, on va remplir les 4 ici, allez, hop, ça c'est fait, on n'en parle plus. On va conduire, on va aller faire réparer le camion, hein.
Donc voilà, bah, c'était le Doc Snoopy, hein. Je vais faire réparer le camion pour la prochaine livraison. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Et puis ben, à bientôt pour la prochaine livraison, hein? Allez, tchuss les potos! Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong.